Gracias.
peuple et oui, il y a pendant 4 siècles à ce jour, grâce à son pouvoir de fascination, provoqué l'engouement d'une société sensible au raffinement de l'existence, dont il continue à susciter le goût de sa puissance transcendance. Et tant également une œuvre d'art, la protection du patrimoine de cette musique, miroir d'une époque, doit résulter d'un effort en vue de la mémorisation de toutes les chansons dans leur version originelle. Les lieux d'écriture de cette musique furent également ces quartiers denses d'habitat traditionnels, et que Passio Fleury et Gédo, leur venelle, leur stepa ou passerelle, leur fontaine, leur treille. Baptisé Derb Melianié, Dabsidi Amran, Mishdali, Dabsidi Doun, Dabsidi Halloui, Rahiba, Har Sarma, Rassara, Rouman, Derb Benijmela, où les poètes ont vécu. Ces venelles avec leur parfum de jasmin et d'encens, leur accès typique, café, four, échoppe, atelier d'artisan, rythme, de leur nom, les belles chansons du Belgi House dédiées à l'amour, la beauté de la nature avec de jolies arabesques. Le lyrisme de sa prose rimée donne ses lettres de noblesse à cette poésie issue de la littérature populaire. Cette littérature, ses espaces physiques sont des témoins vivants d'un temps vécu. Il constitue une source documentaire précieuse pour un approfondissement de l'histoire sociale, culturelle et artistique de cette cité. Ces quartiers chargés d'histoire sont toujours présents, mais dans un état total de perdition, vu les transformations et aussi l'état d'effondrement de leur vieux tissu. Ils figurent aujourd'hui parmi les rues de la vieille Médina avec ses traits de caractère de l'époque médiévale. Le Beldi Haouzi, tout comme le Rabbi Melhoul, n'a cessé de reculer ces dernières années sur le plan du respect de ses registres mélodiques, reflet de son âme, et cela au profit de formes dégénérées venues plus tard, fortement médiatisées, puisant dans le même réservoir de chants et de poésie. Le droit moral n'a pas réussi finalement à imposer le respect de l'authenticité des œuvres intemporelles issues du passé. Ce genre, segment littéraire et musical de notre patrimoine, fait partie aujourd'hui du patrimoine public. Malheureusement, les droits intellectuels, quand les auteurs du passé sur leurs œuvres ne sont pas protégés. Ils font l'objet d'une exploitation par les chercheurs, chanteurs, interprètes, qui, sans indication du nom de l'auteur dans ce domaine, où il est impossible de parler d'anonymat. Parmi les plus distingués artistes du Beldi Haouzi, on peut citer Cheikh Atatma, Cheikh Adouane Bansari, Cheikh Abdelkrim Dehi, Cheikh Salah Abidjadan, Cheikh Ahmed Ben Arfour, Cheikh Saad Fabiawi, Zeynep Daoud, Mohamed Khaznavi, Cheikh Gnoun, Joseph Ben Gnoun, plus connu sous le nom de Zouzou, Cheikh Raymond Lévis, Cheikh Mustafa Smoussi Bélixi, Arif Alani, et plein d'autres maîtres de l'élégance et du plus beau style dans l'art musical mondial. Par fidélité au point de vue de la réécriture du Beldi Haouzi, Rayet Daoud Mortar, en Europe, c'est le 1998, c'est disciple de Saoud Lorané Medjouni, plus connaissant le nom de Saoud Lorané, décédé en 1943, c'est le grand maître de la musique en 2007, c'est Eshou Medjouni, Dimarchich, un maître qui a fortement marqué le paysage musical tchadien, disait je motais toute la force de mon être à bien les interpréter. C'est là un témoignage de conscience d'une fidèle interprète qui considère le respect des œuvres du passé comme sacré. Le patrimoine populaire de cette musique n'a pas échappé aux altérations d'une mémoire faillible. Aujourd'hui, cette musique et sa poésie, plusieurs siècles après, offrent toujours des moments forts de ressourcement dans la tradition séculaire de notre pays. Dans une sorte d'élan de renaissance culturelle arabe, des intellectuels de l'époque pré-indépendance, au premier rang desquels nous citerons Sidi Mohamed Boukhouja et d'autres comme Maître Qal'i, le professeur Abdelhamid Hamidou, Mohamed Belhelfawi, ont au prix de réels sacrifices sauvé la mémoire en partie conservée de cette musique. Les belles pièces enregistrées par les maîtres de l'art du Beldi Haouzi sont conservées comme des spécimens parce qu'elles ont de plus authentiques reflets de leur âme ancienne. L'héritage des grands poètes musiciens, c'est Ibn Abdallah Mendassi, Ahmed Ben Salaki, Mohamed Ben Amsaïe, Boumdir Ben Zahra, pour ne citer que les plus illustres, fait partie aujourd'hui du terroir de la chanson des vieilles cités Constantine, Alger et Bida, chacune aussi, ses plus belles formes d'expression, avec à chaque maître une exécution
personnalisée, une rythmique nouvelle due à la créativité et à leur génie dans la chanson traditionnelle. Et tâche poético littéraire du Bézé aussi s'impose dans notre respect en tant que pur produit du génie de nos poètes et artistes. Il a besoin aujourd'hui plus que jamais d'être sauvé de l'oubli. Cette tâche est nécessaire parce que les poètes, c'est maître de l'art avec le langage populaire, parce qu'en eux la tradition culturelle d'un pays où la culture est étroitement liée à la langue. Il y a un patrimoine très riche qui porte trace de notre passé, et on ne peut achever ce texte sans citer le grand compositeur hongrois de la poète Bartok, qui disait un jour « On ne chante jamais si bien que lorsqu'on chante dans son art biologique », ou encore notre regretté ami historien Mohamed Gnanich, qui écrivait dans son livre « Le mouvement de l'indépendance en Algérie » en 1990. Il est vrai que nous avons minimisé la valeur et la portée de ce genre de littérature pour avoir plus longtemps qu'il venait discuter sa place dans la littérature classique. En partant avec cette idée préconçue, nous avons perdu de vue, au détriment de notre histoire, une source de formation incomparable. Quelques minutes nous séparent de la fin de l'émission et également, pour le faire, ces trois numéros consacrés aux gens de la Rosie. Je voudrais terminer. J'ai évoqué le nom de Mohamed Azadi, la parole à nous. Je voudrais vous proposer ce joli Rosie qui s'en rend compte. Mohamed Azadi peut être inspiré lui-même de la Rosie. من أمي ليش ينادي صرني حبيبي صرني ربيعة مهدي انطفأت نارك بلادي من جلاوي كل قرايا حظ حي